Le palmarès des écoles secondaires du Journal de Montréal est de retour cette année pour aider les parents à faire le meilleur choix pour leurs enfants. Ils ont même accès, Audrey, à un nouvel outil pour comparer les établissements. Oui, parce que c'est bien beau de savoir, Véronique, si l'école est première, deuxième ou 250e finalement au Québec ou encore où elle se classe parmi notre ville finalement ou encore parmi les écoles publiques ou privées, mais les critères sont plus grands que ça. Donc, c'est pourquoi le Journal de Montréal propose une carte interactive. Donc, oui, on peut choisir les écoles à proximité de la maison, mais on peut également utiliser le comparateur, donc ce nouvel outil qui nous permet de choisir 5 écoles et ensuite de comparer leurs fiches détaillées. Donc, on peut voir leur classement global, oui, mais aussi notamment les résultats aux examens du ministère des Enfants. Vous voyez là, bon, le comparateur probablement à l'écran. On peut aussi comparer le taux d'échec. Donc, plusieurs informations utiles pour faire un choix éclairé. Parce qu'avant, on envoyait notre enfant à l'école de quartier, mais maintenant, les parents magasinent les écoles. Et j'en ai rencontré plusieurs ce matin qui ont des enfants d'âge primaire, certains en première année. Et déjà là, on a commencé à regarder à quelle école secondaire on allait envoyer notre enfant. Et donc, la proximité, c'est important, oui, mais les critères sont beaucoup plus nombreux que ça. Je vous laisse entendre donc une mère qui a même utilisé cet outil et d'autres parents là, qui nous parlent des critères qu'ils recherchent. C'est parfait parce que ça, au moins ça nous prend à l'avance là, pour éventuellement choisir la bonne école d'après aussi les besoins de nos enfants. Les programmes pédagogiques particuliers qui sont importants pour Lucie, pour la fille. Ouais. Pas mal ça et puis la proximité. La qualité de l'enseignement. Donc, on essaie de lui donner le plus d'opportunités sur son avenir aussi. Mm-hmm. Donc, on essaie de voir les métiers d'avenir, etc. Quelles sont les écoles qui préparent le mieux. Autre nouveauté, Audrey, on peut aussi comparer les écoles qui accueillent des élèves à besoins particuliers. Vous voyez des tableaux à l'écran, Véronique, où on voit le top 5 des meilleures écoles publiques et privées qui ont plus de 30 % d'élèves à besoins particuliers. Donc ça, c'est intéressant, notamment pour ceux qui ont des enfants à besoins particuliers, qui pourraient peut-être trouver des écoles avec le plus de services pour leurs enfants. Et on voit qu'il y a des exemples de réussite aussi. Mais pour un porte-parole de la Fédération des établissements privés d'enseignement, ce qu'on dit aux parents, c'est aller aux portes ouvertes. Écoutez-le. Les parents ont ce choix-là et ont ce privilège-là de pouvoir choisir. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ont peut-être moins le choix, mais il y a toujours la possibilité dans toutes les écoles de participer à une panoplie d'activités qui vont faire en sorte que notre passage au secondaire va être intéressant puis va nous amener à être motivés et à la réussite. Donc, on vous invite à aller essayer ce nouvel outil là, sur le site web du Journal de Montréal, Journal de Québec et TVA, donc pour comparer les établissements avec la carte interactive. Ça aide à faire de meilleurs choix. Effectivement. Merci, Audrey. Au revoir.